Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFCA41, je bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, bonjour Pierre, on est ravis de vous commenter ce match, même si c'est vrai qu'on aurait préféré des conditions climatiques un petit peu plus sympas. La pluie vient de s'inviter en effet, alors attention aux appuis et aux ballons glissants évidemment. Votre avis, Pierre, sur ce match? Ça va être très serré en fait, Hervé. Hein. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des équipes très proches. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Oui, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Monsieur Hans de Notboom a vérifié que les joueurs étaient prêts. Il va donner le coup d'envoi. Et tout le stade attend ça. Ah, ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. On a peut-être une bonne occasion. Ce sera un 6 mètres. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Un bon ballon d'attaque. Oh, la belle passe. Oh, quel manqué. Mais ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement. Mais alors là, c'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche cette tête. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Malinowski. Travers. Buffel. Tom Mata. Nikos Karelis vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Très belle.
Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Pozzolo. Ivers. Ah, c'est joué à l'avant. Ah, la tentative. Sans danger pour le gardien. Dans le cœur. Oh, la bonne le bon ballon. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Ah, le but lui tordait les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. On s'approche du but. Malinovski. Pozzolo. Ouais, il a dribblé, magnifique. Ouais, le ballon qui est perdu. Ouais, pas à l'aise. Il n'a pas été à l'aise sur cette frappe en tout cas. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Ivers. Pozzolo. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Les 30 derniers mètres. Malinovski. Buffel. Nikos Karinis. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand on regarde comment il a joué avec cette désinvolture, je ne vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Ouais, joli, le 1-2. Adrien très belle. Observez quand même la décision de l'arbitre. Et c'est donc un carton jaune. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Qui montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Pozzolo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Nikos Kanellis. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Ah non, ça n'ira pas plus loin. On s'approche de la zone de vérité. La faute au ralenti qui lui a donc valu un carton jaune. Il joue absolument pas le ballon. C'est même plutôt un jaune orangé là. Ah non, le ballon est perdu. Pozzolo.
Nikos Kamelis. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Pozzolo. Oh, c'est dangereux ce centre tendu. Il a été bien placé à la tombée du ballon. Attention. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Pierre, on a le sentiment que les deux équipes se craignent beaucoup. On sent qu'elles cherchent à ne pas perdre avant tout en fait. Oui Hervé, c'est un petit peu le sentiment que donne cette première période. Il n'y a qu'à voir le score pour s'en convaincre. Alors il y en a une qui est toujours là, c'est la pluie. Ouais, on vient de voir l'arbitre examiner la pelouse à la pause. Bon, il a estimé que c'était toujours praticable pour l'instant. Hilton Mata. Il a peut-être une bonne occasion. Il cherche un coéquipier dans la surface. Voilà, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée, ça fait des mètres. Nan Danker. Sven Kims. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il s'avance vers la surface. Ah, il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Il lui donne ce ballon de la tête. Il choisit la frappe. Ah, le ballon a bien arrêté, bien capté. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Nikos Kamelis. Ouais, il lui remet. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Sven Kims. Oh, c'est bien donné ça. Il gagne quelques mètres. Même dans le cœur. Je cherche un petit peu au premier poteau. Adrien très belle. Même dans le cœur. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah non, c'est pas bien fait ça. Malinovski. Pozzolo. Ah, la bonne qualité de ses passes. La passe est mal assurée. C'est une interception. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ouais, bonne transmission. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Attention. Ah, j'ai cru que le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer. Ouais, ça paraissait bien parti en effet, mais il n'a pas soigné la finition. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Lucas Canalis.
Robert. Pas de souci pour le gardien. Allez, changement demandé par l'entraîneur. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. On s'approche du but. Ouais, il a dribblé. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Malinovski. En 1-2. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bonne interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Attention, il a du champ devant lui. Attention le tir. Le but de la victoire! Le but de la victoire! Regardez la joie du buteur! Il y a peut-être encore la place pour un but, mais on sent tellement d'abattement dans l'autre équipe après ce but encaissé. Ah, c'est un but important hein, qui pourrait bien tout changer dans cette rencontre. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les voilà qui prennent l'avantage. Ouais, c'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Ah oui, c'est bien fait ça. Un bon ballon d'attaque. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh oui, lui. Encore. Ça fait plaisir de voir. Le match était déjà gagné, mais... L'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Arlène, enfin, on va pas s'épater pour ça, ça devrait toujours être le temps. Regardez, on est dans le début pour apprécier ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Malinovski. Voilà le coup de sifflet final. C'est terminé. Le match qui se termine avec un excellent résultat pour eux. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot. Et en plus, son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Bien, il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.